Votre nom ? Dans mon pays, on m'appelait Jeannette. Lorsque je suis venue en France, on m'appelait Jeanne. Où avez-vous été baptisée ? À Domrémy. Quel âge avez-vous ? 19 ans, je pense, environ. Quels sont vos parrains et marraines ? Le nom de l'un de mes parrains est Jean Linguet, un autre Jean Barret. De rechef, je vous requiers de jurer. J'ai juré hier, cela doit suffire. Les noms de vos pères et mères ? Mon père s'appelle Jacques d'Arc et ma mère Isabelle. Était-ce la voix d'un ange, d'une sainte ou la voix de Dieu qui vous parlait directement ? Qui vous montra le roi ? Quand j'entrais dans la chambre du roi, je l'ai reconnu parmi les autres, par le conseil de ma voix qui l'a révélé. Y avait-il quelques lumières ? Passez outre. Y avait-il là quelques anges au-dessus de votre roi ? Passez outre. Répondez donc. Ce n'est pas moi qui vous le dirai. Adressez-vous au roi et il vous le dira. Jeanne, tu es condamnée. Les Anglais prouveront au peuple qu'aucun roi de France légitime ne peut être porté au sacre par une hérétique. Condamnée, Jeanne, tu abjureras et tu éviteras ainsi la mort. Mais les Anglais insatisfaits auront raison de toi et tu mourras, Jeanne, sur le bûcher. Jeanne, c'est écrit. Jeanne, prépare-toi et prie, Jeanne. 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 Je suis Jeanne. Oui, c'est moi, fille de Jacques d'Arc le laboureur et d'Isabelle Romée. J'ai aussi une sœur et trois frères, Catherine, Jacquemin, Jean et Pierre. Nous vivons à Domrémy, un village du duché de Bar à la limite du royaume et du duché de Lorraine. Oviette, Oviette, mon amie, n'oublie pas de venir coudre et filer laine à la veillée, et nous te garderons à dormir. J'avais alors 13 ans. C'était à midi, par une belle journée d'été, dans le jardin de mon père. Soudain, j'ai entendu ses voix à droite vers l'église. Elle me disait de bien me conduire et de fréquenter l'église tant que possible. Cette voix si noble ne pouvait qu'être celle d'un ange. Depuis, je l'entends régulièrement, insistante. Elle me donne force et assurance, ce qui me conforte dans ma dévotion. Il y a peu, Saint-Michel m'est apparu. Je l'ai reconnu et me dit que Sainte Catherine et Sainte Marguerite viendraient à moi et me porteraient conseil. Mon destin serait-il tracé ? Quelque chose se prépare. Je ne connais point la teneur de ces futures instructions, mais je sais que je vais les accomplir. Je n'ai aucun doute, je le sais, et j'irai jusqu'au bout. Puisque mon Seigneur veut que j'agisse ainsi. Jeanne, il faut que tu ailles en France. Il faut que tu boutes les Anglais hors du royaume. Rejoins le Dauphin, libère Orléans et fais le sacré à Reims. Il est une prophétie qui me laisse fort pensive. La France sera perdue par une femme et relevée par une vierge des marches de Lorraine. En ce début du XVe siècle, en pleine guerre de Cent Ans, le roi de France Charles VI est atteint de crises de folie. Son pouvoir est des plus affaiblis.
Le 25 octobre 1415, ses troupes subissent à Azincourt une sévère défaite face à l'armée anglaise commandée par le roi Henri V. 5 ans plus tard, suite au traité de Troyes, le dauphin Charles VII, fils de Charles VI, est déshérité au profit du roi d'Angleterre Henri V, puis de son fils Henri VI. Les Anglais, alliés aux Bourguignons, contrôlent la partie nord du royaume de France. L'époque est particulièrement troublée, les révoltes se multiplient. L'Église d'Occident vient à peine d'en finir avec une grave crise, le grand schisme. Misère, peste, famine et insécurité sont le quotidien des populations. La châtellenie de Vaucouleurs, rattachée à la couronne royale depuis moins d'un siècle, reste l'une des rares cités encore fidèles au dauphin, avec Orléans, Tournai et le Mont-Saint-Michel. Cerné par la coalition anglo-bourguignonne, Vaucouleurs résiste encore derrière ses remparts. Mais pour combien de temps? C'est dans ce contexte difficile que la mission de Jeanne se prépare. La phase finale de la conquête anglaise est sur le point de se déclencher. La prise d'Orléans signerait la fin de la partie sud du royaume, restée fidèle à Charles VII. Je dois m'en remettre à mes voies et aller en France. Elle me presse de rejoindre le dauphin avant la fin du carême et lui demander une armée pour délivrer Orléans avant qu'il ne soit trop tard. Elles me disent aussi de conduire le dauphin à Reims et l'y faire sacrer. Mais combien cela me coûte de quitter ma famille et mes amis? Et comment moi, simple fille de laboureur, pourrais-je être présentée au dauphin et le convaincre de me donner une armée? Comment faire? Et toujours mes voix, qui n'ont de cesse de me presser si convaincante. Je veux aller en France, à Vaucouleurs, à la rencontre du capitaine le sire Robert de Baudricourt. Mais je suis bien seule, et je crains tout particulièrement que mon père m'empêche de quitter ainsi ma famille. Mais si Dieu le commande, il me faut partir. Même si j'avais 100 pères et 100 mères, je partirais. Courage, Jeanne. Ne faiblis pas. Ta foi vacillerait-elle? Mais non. Non, bien sûr que non. La voix a raison. Je ne peux que lui faire confiance. Laxar, mon cousin, merci de m'accueillir à Burel le Petit. Et pardonnez-moi. Vous qui connaissez tant de gens à Vaucouleurs, n'y en aurait-il pas un pour me présenter au capitaine de la Châtellenie, le sire Robert de Baudricourt? Faites que je le rencontre. Je dois lui parler afin de rencontrer le dauphin. Même si je sais que c'est peine perdue. Ma voix me l'a dit. Jeanne finira par être reçue par le sire Robert de Baudricourt. Je suis venue vers vous, de la part de mon seigneur. Quel est ton seigneur? Le roi du ciel. Afin de transmettre au dauphin ce message. Ne pas engager bataille avec les ennemis, car le Seigneur lui enverra secours après la mi-carême. Mon Seigneur veut que le dauphin devienne roi. Il sera roi. Et moi, je le conduirai à son sacre. Voilà le message qu'une jeune fille parlant avec assurance adressa à un représentant du royaume. Stupéfait, Baudricourt ne comprend pas l'importance de ces paroles qui viennent de lui être adressées. La candeur de Jeanne ne semble pas l'émouvoir. Le capitaine ricane et, croyant ou affectant de voir qu'il a une folle devant lui, se tourne vers Durand Laxar et lui dit « Gifle-la et reconduis-la à son père !» Jeanne ne fut point surprise, car ses voix lui avaient prédit l'échec de cette démarche. Elle retournera à Don Rémy. Son père, apprenant qu'elle s'est rendue auprès de Baudricourt, s'inquiétera. N'a-t-il pas vu en rêve sa fille partir avec des soldats? La rumeur de la prophétie circulait de plus en plus.
et les gens du peuple ne manquaient pas d'y voir une étrange coïncidence avec cette Jeanne. Par la coalition anglo-bourguignonne. Baudricourt ne peut résister davantage et finira par accepter la reddition sous condition. La ville n'est pas prise, car les Anglais et les Bourguignons ont besoin de toutes leurs forces pour assiéger Orléans. Mais ce n'est qu'un sursis. Une fois Orléans vaincu, la fidèle cité de Vaucouleurs tombera aux mains de ses ennemis. Agir, mon cousin, aidez-moi. Je vous en prie. Trouvez excuse auprès de mon père, car je dois partir. Je dois rejoindre le dauphin, il me reste peu de temps. À nouveau durant l'Axar l'aidera. Jeanne revient à Vaucouleurs et trouve hospitalité chez le charron Jean le Royer et sa femme Catherine. Les deux femmes se lient d'amitié. Jeanne, vaillante, participe volontiers aux tâches ménagères et au filage de la laine. Elle n'a de cesse de se plaindre à Catherine. Elle doit rejoindre le dauphin, le temps presse. Elle se rend fréquemment à l'église paroissiale et parfois à la crypte de la chapelle castrale pour y prier devant Notre-Dame des Voûtes. Les habitants la connaissent désormais et leur compassion va grandissante. N'est-elle pas le dernier espoir de cette population au destin incertain, sur le point de tout perdre? Pour eux, il n'y a pas de doute. Elle est bien celle de la prophétie. Tout semble concorder. Baudricourt s'interroge. Jeanne est à l'évidence très déterminée. Il lui faut enfin savoir si cette audacieuse jeune fille est ou n'est pas une fausse prophétesse. Il se présente alors chez les Le Royer, accompagné du curé de la paroisse, pour la mettre à l'épreuve et s'assurer qu'elle n'est pas possédée par le diable. Le curé m'a présenté la croix et m'a dit: « Si tu es chose mauvaise, va-t'en. Si tu es chose bonne, approche. » Je me suis approchée. Mon cousin, puisque le sire Baudricourt ne daigne pas me recevoir, conduisez-moi à Chinon. Je n'attendrai plus. Les Anglais menacent le royaume et je dois rencontrer le dauphin. Jeanne, accompagnée de Durand Laxart et d'un habitant de Vaucouleurs, quitte la ville par la porte Saint-Thiébaud, en direction du nord. Mais arrivée à l'ermitage de Saint-Nicolas de Sept-Fonds, à quelques lieues de Vaucouleurs, elle réalise tout à coup la folie de cette expédition. Comment une jeune fille pouvait-elle raisonnablement convaincre le dauphin de la recevoir sans recommandation officielle? De retour à Vaucouleurs, elle se réfugie dans la prière auprès de Notre-Dame des Voûtes. Jeanne monte au château en toute hâte. Sa violente émotion est telle qu'elle parvient à forcer la porte de Robert de Baudricourt pour se faire entendre. Au nom de Dieu, vous tardez trop à m'envoyer. Car aujourd'hui, le dauphin a eu près d'Orléans bien grand dommage. Et sera-t-il encore menacé de l'avoir plus grand si vous ne m'envoyez bientôt vers lui? Jeanne, sois confiante. Toute la ville est avec toi. Les hommes d'armes de la châtellerie te soutiennent. Sois confiante, Jeanne. Jeanne, prépare-toi. Ton départ approche. Une poignée de cavaliers accompagne Jeanne. Ils quittent la place devant la maison des Le Royer et montent en direction du château.
En cette fin de journée du 12 février 1429, Baudricourt a enfin accepté de mettre à sa disposition une escorte pour la conduire auprès du dauphin. Merci, messire de Baudricourt, merci. Que Dieu vous le rende. Et vous, Jean de Metz, Bertrand de Poulangy, merci. Merci à vous, belles âmes de vos couleurs, pour votre soutien sans faille. Merci à vous de m'avoir donné cet habit d'homme. Merci pour ce cheval. Et merci à toi, Catherine, à qui j'ai tant fait supporter d'inquiétude, mais aussi quelques joyeuses confidences. Que cet habit d'homme qu'il me plaît de porter, moi, une femme, soit ma réussite. Et pourtant, cet habit sera ma perte. Je m'en remets à vous. Veillez sur moi, veillez sur mon destin, veillez sur nos âmes, veillez sur la France, mon Seigneur des cieux. Ma mission a commencé. Va, Jeanne. Va, et advienne que pourra. Et vous, mes fidèles gens, soyez hommes de bravoure et de protection. Et vous, messager Collet, portez fidèlement ma parole au dauphin. Va, va, et advienne que pourra. Sainte Catherine, Sainte Marguerite, vous, mes saintes, vous aviez raison, pardonnez mon impatience. Protégez-nous durant ce périlleux voyage en terre ennemie. Le voyage dura 11 jours en terre hostile, sous contrôle anglo-bourguignon. Pour gagner du temps, le groupe emprunta un trajet des plus directs, néanmoins des plus risqués. Ils progressèrent parfois la nuit, parfois en journée afin d'éviter toute mauvaise rencontre. Ils prirent le gîte à l'abbaye de Saint-Urbain, puis se dirigèrent vers Auxerre et firent une halte à Sainte-Catherine de Fierbois. Arrivée à Chinon, Jeanne dut patienter 2 jours avant de rencontrer le dauphin. Elle fut reçue comme une prophétesse à la cour de Chinon. Le dauphin, dans un premier temps, l'aurait mise à l'épreuve en se dissimulant parmi les gens de la cour. Mais elle le reconnut. J'ai su que c'était lui. Ce sont mes voix qui me l'ont montré. Je lui fis part d'un message que lui seul a compris. Et ce message restera à jamais un secret. La mission de Jeanne avait été enfin approuvée par le dauphin, mais elle dut se soumettre à un ultime examen par les ecclésiastiques de Poitiers, ce qui la retardait fortement encore. Elle fut enfin reconnue comme personne de bonne parole. Le dauphin lui donna son accord pour lancer une opération sur Orléans, ce qui agaça fortement les chefs militaires. Comment l'ensemble des troupes armées du royaume pouvait-elle s'en remettre au conseil d'une femme? Jeanne entendait bien être un signe de Dieu. Tous les soldats étaient conquis par sa grande simplicité, sa piété et sa détermination. Elle réussit à rentrer dans la ville d'Orléans, alors sous le commandement de Dunois, et mise en œuvre sa stratégie de libération. Malgré une terrible blessure, elle encouragea les troupes à poursuivre leurs attaques contre les Anglais. Dans le camp adverse, nul ne croyait qu'une pucelle pouvait avoir raison d'eux. Le doute s'installait progressivement chez les soldats anglais. La menace se faisait pressante autour des fortifications des tourelles qui protégeaient le pont d'accès à la ville. L'offensive de la bataille des tourelles par les troupes françaises fut décisive. Les Anglais levèrent le siège et se replièrent. Le 8 mai 1429, la ville d'Orléans était ainsi libérée. Gentil dauphin, il ne faut point tarder. Que l'évêque de Reims prépare votre sacre. Que les villes de Troyes et de Reims s'apprêtent à rendre les armes sans combattre. Car notre armée est désormais invincible. Thank you.
La suite de mon destin, vous la connaissez. La prise de Paris, alors acquise aux Bourguignons, sera un échec. Le roi Charles VII, renforcé par son sacre et ses récentes victoires, préférera négocier pacifiquement le ralliement du duc de Bourgogne au royaume de France. Il dissoudra l'armée. Quant à moi, je devrais poursuivre ma mission, bouter les Anglais hors de France. Je constituerai alors une petite armée de mercenaires et de fidèles pour répondre à l'appel des gens de Compiègne. La cité est assiégée par les troupes de Jean de Luxembourg, allié du duc de Bourgogne. Ma bravoure aura raison de moi. Lors d'un dernier assaut hors de la ville, isolée en avant sur le front, je serai faite prisonnière et conduite au château de Beaulieu, puis à celui de Beaurevoir. Ma captivité y sera douce, grâce à la dame du comte et à sa tante. Mais j'essaierai de m'évader. 6 mois plus tard, je serai vendue aux Anglais. Je serai transférée à Rouen, où ma captivité sera ma première peine. Les Anglais, pressés d'en finir avec ma vie, mettront en place un procès dirigé par l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, qui depuis longtemps avait choisi leur camp. Quoi qu'il en soit, je devrais être déclarée coupable. Je serai condamnée pour hérésie sans trop savoir pourquoi. Ils me promettront la prison à vie si j'abjure, ce que je ferai par lassitude, dans un état de grande faiblesse. Le jugement du procès m'imposera de quitter cet habit d'homme hautement symbolique aux yeux de mes adversaires. Au lieu d'être transférée au geôlier du corps ecclésiastique, je serai reconduite dans ma prison anglaise. On m'ôtera ma robe dans la nuit. Le froid et le regard mal intentionné de mes gardiens m'obligeront à me revêtir de mon habit d'homme. Je ressentirai alors une certaine fierté et mes voix me reviendront. Mais le piège anglais avait opéré. Je leur donnerai l'occasion de me considérer comme relapse pour n'avoir pas tenu ma parole. Et serai alors envoyé au bûcher.